La Met Task Force, chargée d'escorter la reine Elisabeth II lors de ses déplacements dans Londres, a annoncé la mort de l'un de ses fidèles chevaux, PH Keston. Une nouvelle qui risque de beaucoup attrister la monarque. Triste nouvelle pour Elisabeth II. La monarque britannique a appris mercredi 2 décembre que l'un des chevaux qui servait généralement à l'escorter lors de ses sorties royales et à l'occasion des parades à Londres était mort. C'est la Met Task Force, la police métropolitaine chargée de la sécurité de la reine, qui a annoncé sur son compte Twitter cette tragique disparition. C'est avec la plus grande tristesse que nous annonçons la disparition de PH Keston. PH Keston a régulièrement escorté la reine lors de divers événements dans l'État et à d'autres occasions prestigieuses. Il était un vrai fan de la foule et des habitants de Londres. Merci pour ton service Keston. RIP, a écrit l'organisation avec quelques photos du cheval. Une nouvelle qui risque de profondément attrister Elisabeth II, puisque la souveraine est une passionnée de chevaux. D'ailleurs, même à 92 ans, la reine reste très attachée à ses balades à cheval qu'elle continue d'exercer sans crainte. Le 17 novembre dernier, la souveraine avait été aperçue en pleine promenade à cheval, aux alentours du château de Windsor. Pour l'occasion, elle était accompagnée de son fils, le prince Edward, âgé de 54 ans. Sans casque, avec un simple foulard sur la tête et habillée d'un anorak, la grand-mère des princes William et Harry profitait des derniers rayons du soleil, sur le dos de son cheval noir, sous l'œil vigilant de son aide royale.